Aujourd'hui, on va regarder un petit tutoriel sur TikTok. La vidéo s'intitule... C'est pas une blague, on ne peut plus sérieux. La vidéo s'intitule Comment étrangler une femme? Et c'est premier degré, il n'y a pas de vanne, c'est pas ironique, c'est vrai. C'est sur TikTok de KSMK, vous aurez le lien en commentaire dans la description de la vidéo. Et bizarrement, il n'y a pas de féministe. C'est très très bien, il n'y a aucun problème. Hein. Je pense qu'il a la bonne couleur de peau, parce que si tu veux, c'est un blanc qui fait ça. 2 heures après, il est en garde à vue. Hein. Bref, on va regarder ce tutoriel. Est-ce que je mets un petit filtre anti-droit d'auteur, je pense. Quoique, c'est TikTok. Hein. TikTok, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de droit d'auteur sur TikTok. Allez, on va regarder ça, les copains. C'est fantastique. Comment étrangler une femme? La première chose que vous devez faire, c'est vraiment faire attention au timing de votre étranglement. Tu ne peux pas lancer la phase d'étranglement quand tu veux, comme ça. Sur... Ah, il parle d'étrangler une femme au lit, hein, du coup. Donc, comment étrangler une femme au lit? Et donc il faut timer sa phase d'étranglement. Comment faire attention au timing de votre étranglement? Tu ne peux pas lancer la phase d'étranglement quand tu veux, comme ça, sorti de nulle part. Non, il y a des bons moments et il y a aussi des mauvais moments. Par exemple, là, tu rentres dans la pièce, au lieu de lui faire un petit bisou dans la bouche, t'arrives directement comme ça. Non, non, ça c'est mort. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'embrasser en amont et faire monter la température, instaurer une relation de confiance. Dès que tu vois qu'elle commence à fermer les yeux comme ça, là, tu peux lancer ta phase d'étranglement. Ah, par contre, un truc qui me fascine, c'est quoi ce... Mais le mec, il parle dans un mini micro ridicule. T'as pas de thune pour te payer un micro, mec? J'ai jamais vu un micro aussi petit et le mec il doit le tenir à bout de main comme ça. C'est ridicule. La deuxième chose que tu dois faire, ça va être vraiment de moduler ta force. Il ne faut pas qu'elle décède lorsque tu l'étrangles. Certaines femmes... Ah, hein, écoutez bien, il faut pas tuer la femme quand on l'étrangle. Il faut pas que la femme décède, d'accord? Donc il faut moduler sa force, sinon elle meurt. Ta force, il ne faut pas qu'elle décède lorsque tu l'étrangles. Certaines femmes ont vraiment le cou fragile, il faut vraiment que tu fasses très attention. Il faut quand même que ça soit un minimum ferme sans y aller trop fort. La dernière chose que tu dois faire pour faciliter l'étranglement, c'est tout simplement jouer avec ses cheveux. Tu vas l'embrasser, l'embrasser, l'embrasser et ensuite tirer ses cheveux en arrière pour avoir une vision directe sur son cou. Et là, tu passes en mode étranglement. Ne t'inquiète pas, elle va kiffer. Fais attention. Voilà, elle va kiffer les copains. Donc suivez ce tutoriel avec votre femme. Vous lui tirez les cheveux en arrière pour pouvoir mieux l'étrangler. Mais quelle horreur! Oh là là! Mais quelle horreur! Mais il faut l'arrêter ce mec! Je suis sûr qu'il fait des trucs de ouf avec ça. Mais quitte à... Mais les femmes qui ont dû aller avec ce mec, elles ont dû subir des choses. Et pour l'instant, les féministes, elles préfèrent se battre pour le voile intégral des femmes qui peuvent plus montrer leur visage. Mais c'est fantastique. Mais quelle horreur. On va regarder les commentaires. Prochaine vidéo. Comment assassiner une femme? Putain, la vidéo avait... Quand elle tape 3 fois, ça veut dire que j'ai gagné le combat. Chef, j'ai raté le tuto. Tu fais quoi du coup? Il faut pas qu'elle décède. Elle répond plus, c'est normal. Là, les violettes, c'est bon. C'est les rouges depuis 5 minutes, ça va ou pas? On parle de MMA ou de relations intimes. Mince, je me suis arrêté à 26 secondes pour le tuto. Normal, c'est bien fini. Et quoi, c'est quoi ça encore? Moi j'adore ça. J'ai eu peur au début. Sans transition directe. Actuellement en train de sortir Maître Gims des coulisses. Tuto survivre en prison. Il ne faut surtout pas qu'elle décède. Non mais c'est quelle horreur. C'est fantastique. C'est fantastique. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. C'est droit au référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao!